C'est au pied des montagnes andines, de cette vallée désolée du nord-ouest de l'Argentine, qu'on a retrouvé une poignée d'ossements appartenant aux plus anciens dinosaures. C'est tout ce qui reste d'eux. S'il existe d'autres ossements, c'est ici qu'il faudra les chercher, là où le vent et la pluie ont mis à nu les roches du Trias, des roches vieilles de 230 millions d'années. En 88, Paul Sereno, jeune paléontologue de l'Université de Chicago, y est venu accompagné de ses collègues argentins. Je suis assis au sommet de la formation rocheuse d'Ichigualasto. C'est dans les terres arides qui s'étendent derrière moi que nous trouvons les premiers restes de dinosaures. Dans les roches rouges, légèrement plus récentes, nous trouvons les débuts de la grande variété de dinosaures qui vont dominer toute la surface terrestre. En 1959, quelques esquilles d'eau sont arrachées à la Terre. Mais depuis, plus aucun scientifique n'a trouvé quoi que ce soit de significatif. Sereno a néanmoins une intuition. Je savais que si nous voulions raconter l'histoire de l'origine des dinosaures, il nous fallait venir ici. Mais après 3 semaines de dur labeur, nous n'avions pas trouvé le spécimen qui aurait pu faire l'affaire. Et puis un jour, on est allé voir une petite zone non explorée située dans les terres stériles. Elle était un peu cachée derrière les autres. Je suis venu avec un groupe. Je suis descendu, j'ai mis mon sac à dos sur une corniche, là, et j'ai remonté cette ravine, 9 à 10 mètres. Le premier fossile que j'ai trouvé était juste sur ce monticule. Et moi, naturellement, pour ne pas être déçu, j'ai préféré croire que c'était tout sauf un squelette de Herrerasaurus. En fait, j'ai vu ce qui ressemblait à des vertèbres. Je les ai suivis en passant de l'une à l'autre et je suis arrivé à l'arrière du crâne. Ça ne pouvait être qu'un dinosaure primitif et j'en suis resté abasourdi. J'arrivais pas à y croire. Je regardais ailleurs et puis j'y revenais. Et comme les autres arrivaient, l'équipe se rassemblait autour de moi, je suis parti. Je ne pouvais plus regarder. Je suis revenu et il y a eu un flot d'émotions. Et j'ai pleuré. Paul et moi, on s'est embrassés. On sautait en l'air, on hurlait. Et tous les autres étaient là. C'était très excitant. C'était ce qu'on voulait. Sereno vient de trouver un squelette quasi complet, crâne y compris, du plus ancien dinosaure connu, appelé Herrerasaurus. Voici le merveilleux crâne d'Herrerasaurus trouvé là-bas dans la vallée. Le mufle est de ce côté. La première chose qu'on peut voir grâce à ce crâne, c'est que le Herrerasaurus était carnivore. C'était un mangeur de viande avec de longues dents recourbées qui tranchaient la chair. Mais ce n'était pas n'importe quelle sorte de carnivore, c'était un carnivore spécialisé. Pour preuve, ce mécanisme inhabituel et intéressant qui glisse dans la mâchoire inférieure. Cette charnière au milieu de la mâchoire inférieure permettait à cette partie, celle qui possédait les dents, de se busquer autour d'une proie qui se défendait. À l'époque du Trias, le Herrerasaurus affronte une sérieuse concurrence. The
La chose la plus importante apprise à partir de nos découvertes sur l'Herrerasaurus, c'est que nous avons finalement obtenu la première image complète de ce à quoi ressemblait un dinosaure primitif. Et cette image va nous aider à comprendre la diversité et l'essaimage subséquent des dinosaures durant les 150 millions d'années qui ont suivi. Les roches du Trias ont 250 millions d'années. Les dinosaures retrouvés enfouis dans ces terrains sont des nouveaux venus dans la course à l'évolution. Ils se battent contre des créatures plus anciennes, plus installées, bien armées et superbement adaptées à leur environnement. Ils partagent leur univers avec d'autres reptiles et des mammifères primitifs. Dans les océans, des poissons lézards aux allures de dauphins se repaissent d'autres organismes marins ou se mangent entre eux. Des traces du Trias peuvent être trouvées ici, dans l'Arizona, cachées dans les rochers de la forêt pétrifiée. Cette région s'appelle Wizard Wash, c'est-à-dire l'antre du magicien, et on peut voir pourquoi. Le grès a été érodé, façonné en des œuvres superbes. On peut voir des farfadets, ici on peut voir des dragons, mais il y a 220 millions d'années, c'était très différent. Voici comment Rob Long imagine le paysage du Trias. Des zones humides, des lacs et des marais, d'immenses forêts avec des variétés d'arbres par milliers, dont certains atteignent 40 voire 50 mètres de haut, une région dominée par les reptiles, y compris ceux qui sont condamnés à disparaître au fur et à mesure que les dinosaures s'installent. Voici le Desmatosuchus. Il pesait probablement près de 500 kilos. C'était l'un des plus grands herbivores de la forêt pétrifiée. On peut voir qu'il a l'air un peu bizarre. Il a un museau assez rigolo, assez semblable à un groin de cochon, toute proportion gardée. C'était un fouisseur. Il enfonçait son museau dans la boue et arrachait les racines, les bulbes, n'importe quoi. On peut voir ses dents, ici comme des chevilles, typiques chez l'herbivore. Mais le plus remarquable chez cette créature, c'était l'armure. On voit une série de grands piquants sur le cou qui se développent en des espèces de cornes, presque comme un taureau texan. Non seulement le cou était totalement recouvert, mais tout le long du dos, on a ces plaques rectangulaires, ces plaques noueuses, cornées, jusqu'au bout de la queue. Et le dessous de l'animal était recouvert de plaques. Même les membres étaient recouverts. Et il existe une excellente raison pour que l'animal ait ainsi été protégé. Voilà le Postosuchus, un autre técodontien. Mais contrairement au Desmatosuchus, il possède, pour trancher la chair, ses grands poignards recourbés, dentelés sur les côtés, un peu comme des dents de tyrannosaure. Il faut se souvenir que cet animal est trois fois plus ancien que le Tyrannosaurus rex. On peut voir ses mâchoires et imaginer les gros morceaux de chair qu'il aurait pu arracher de la cuisse d'un Desmatosuchus, par exemple. Cet animal mesure 5 mètres. Ce Postosuchus, de taille moyenne, devait peser entre 300 et 350 kilos, beaucoup plus que n'importe quel dinosaure carnivore de son époque. Il a une queue très longue qui contrebalance cette tête énorme et lourde. Postosuchus a fait certaines choses. Il a essayé d'être un dinosaure, mais n'y est pas arrivé. Les pattes arrière sont très longues, celles de devant sont très petites. Les membres postérieurs sont plantés directement sous le corps, verticalement, dans une position qui est presque celle d'un oiseau. C'est une expérience très ancienne qui a raté. Pourquoi le Postosuchus et ses semblables ont-ils échoué ? Les docteurs Neil Shubin de l'Université de Pennsylvanie et Hans Su de la Smithsonian sont venus dans ces laboratoires pour découvrir comment les premiers dinosaures ont fait pour l'emporter sur leurs concurrents. C'est une énigme.
Comment ces petits parvenus du Trias ont-ils fait pour se débarrasser de créatures aussi formidables que le Postosuchus? Dans la zone de recherche de l'institution, une pierre contient l'équivalent d'un étal de boucher en ossements provenant d'épaules, de flancs, de cuisses et de mâchoires. La plupart d'entre eux appartiennent au Coelophysis, un dinosaure primitif de taille réduite et carnivore. Il y a combien de spécimens dans ce grand bloc? Une douzaine de squelettes partiels et complets, et il y en a probablement au moins encore autant. Le problème, c'est de découvrir quels os vont avec lesquels. Dans le petit bloc, il y a au moins trois spécimens, c'est ça? Oui, voilà un grand individu, voilà ses hanches ici. On a déjà enlevé ses pattes, mais voilà sa queue qui s'amène par ici. Et par ici, on a un autre individu avec une patte repliée. Voilà son pelvis, sa cuisse, sa patte arrière et son pied. Là en dessous, avec les os des doigts de pied qui descendent ici, avec de belles longues griffes au bout. Et là, il y a un crâne de bébé. Voilà son nez, ses dents, avec la gueule bien serrée. On peut même voir certaines plaques conservées dans l'orbite autour de l'œil. Le crâne est écrasé, mais il est en très bon état. On peut voir que tous les os du palais ont été préservés. À la fin du Trias, il y a beaucoup de reptiles qui courent partout. Le Coelophysis et les dinosaures ont en commun une certaine attitude qui prouve qu'ils étaient des animaux terrestres très agiles. Cela implique le mouvement des pattes sous le corps, en fait une attitude de bipède. D'où découlent, vous le savez, des adaptations de la patte et du pied. En fait, il y a eu des gens pour supposer que cette attitude, et ensuite la capacité d'être un organisme terrestre très agile, a permis aux dinosaures de dominer la Terre, d'être dominants par rapport à toutes les créatures archaïques existantes à la même époque. La théorie de Chubin, selon laquelle les dinosaures primitifs ont pris de la vélocité dans leur déplacement par rapport à leurs parents du Trias, pourrait expliquer en partie leur réussite. Mais est-ce suffisant? Au moment où le Trias cède le pas au Jurassique, il y a à peu près 200 millions d'années d'ici, on a la preuve d'un événement que les scientifiques appellent un fait d'extinction. Il semble qu'à chaque stade de l'évolution, des changements dans l'écosystème, catastrophiques pour certaines créatures, fournissent une chance à d'autres. C'est peut-être le cas pour les dinosaures. Quelle est l'origine du fait d'extinction? On l'ignore. Il peut s'agir d'une météorite, d'une explosion volcanique ou d'une maladie. Mais quoi qu'il en soit, l'effet sur les formes de vie de la planète a été d'importance. En s'envolant pour la baie de Fundy, en Nouvelle-Écosse, Neil Chubin teste ses poumons autant que ses théories. Les roches y contiennent des traces d'un des faits d'extinction parmi les plus importants de toute l'histoire de notre planète. Sur ces falaises, la frontière entre Trias et Jurassique apparaît sous forme d'une ligne blanche. Sous la ligne se trouvent des roches du Trias. Elles contiennent les restes de créatures vieilles d'il y a 250 millions d'années. Au-dessus, on trouve des roches du Jurassique qui contiennent des animaux plus récents, parmi eux, des dinosaures. Hans Su, Neil Chubin et leurs collègues creusent à la limite Trias-Jurassique, là où les falaises recèlent des souvenirs vieux de 200 millions d'années, la toute première période du Jurassique, lorsque les dinosaures ont saisi leur chance. Ils examinent des fossiles datant du Jurassique. Ce qui est frappant dans les fossiles que nous trouvons ici, c'est l'incroyable manque de diversité parmi les espèces. Si on compare ceci à la fin du Trias, on a un nombre incroyablement élevé d'espèces différentes. La seule différence entre cette série de roches du Jurassique et celle du Trias, c'est qu'elles sont dépourvues d'éléments typiques du Trias. Il y manque beaucoup d'espèces. Nous avons donc affaire à une faune qui a survécu à un important fait d'extinction, et les dinosaures sont du nombre. La population à laquelle Chubin fait allusion se compose de petites créatures mobiles, les premiers vrais dinosaures. Certains sont des prédateurs aux pieds légers qui chassent de petits lézards et des reptiles semblables à des mammifères, les harponnant avec des dents en forme de lame de couteau aztèque. D'autres sont de petits herbivores. Leurs concurrents plus grands ont mystérieusement mais irrévocablement été éliminés. La route est dégagée. Le décor est planté pour les monstres qui arrivent. Ils commencent modestement, certains ne sont pas plus grands qu'un poulet.
Il se déplace librement et évolue en des formes de plus en plus efficaces. Ces bêtes nouvelles, plus évoluées, grandissent de plus en plus, plus fort, plus haut. Ils se sont offerts des cous serpentins, des queues comme des troncs d'arbres. Bref, ils sont devenus les dinosaures auxquels nous pensons lorsque nous entendons parler d'eux, des bêtes colossales qui hantent notre imagination. Tous les grands dinosaures du Jurassique, les brontosaures, les brachiosaures, sont végétariens. Ils jouent les tondeuses à gazon dans un paysage riche en conifères et en palmiers primitifs et se déplacent à travers les forêts pour une moisson perpétuelle. Les dinosaures herbivores sont 20 fois plus nombreux que les dinosaures carnivores. La plus grande partie de la végétation qui fait l'ordinaire des dinosaures du Jurassique nous est familière. La plupart des plantes que vous voyez derrière moi sont représentatives des espèces qui auraient existé au temps des dinosaures, particulièrement pendant le Jurassique supérieur. Nous avons des fougères, nous avons un grand cycas qui pousse au sommet des falaises. Les cycas ressemblent à des palmiers, mais appartiennent en fait à un groupe beaucoup plus ancien. Leurs fossiles remontent à quelques 300 millions d'années. Et pendant le Mésozoïque, l'époque des dinosaures, ils étaient une partie très importante de la végétation, avec des milliers d'autres espèces en très grande quantité. Cette jungle luxuriante, avec ses frondaisons et ses rameaux succulents, mais à croissance lente, va subir un sévère assaut. Les énormes bêtes qui ont évolué durant le Jurassique sont d'impitoyables voraces, capables d'avaler des buissons entiers en une bouchée. Le brontosaure est l'un d'eux. Voici le brontosaure. Lui et ses cousins étaient les plus grands herbivores à avoir jamais évolué à la surface de la Terre. Un gars comme ça pouvait atteindre 30 tonnes. C'est le poids de tout un troupeau d'éléphants. Et tout un troupeau d'éléphants, ça a besoin de tout un tas de plantes pour survivre. Comment un aussi grand animal pouvait-il manger à sa faim? Il se fait que le brontosaure s'équilibre à partir des hanches et qu'il possède trois pattes arrière. Il a une patte arrière droite, une patte arrière gauche et au milieu, il a cette queue superbement musclée qui est tout aussi grande et longue que les autres pattes postérieures. Il pouvait donc pivoter sur ses trois pattes arrière et envoyer ce long cou droit dans les feuillages. Passons maintenant au deuxième étage, 5 mètres. Ce que nous faisons maintenant, ce que moi je fais, c'est faire semblant que ma tête est celle d'un brontosaure. En élevant simplement le cou, j'élève les doigts dans le nez, mon appareil masticatoire de brontosaure à 5 mètres. Passons au troisième stade, 11 mètres. En se renversant sur son trépied, le brontosaure peut lever la tête à 9, 10, 11, voire même 12 mètres. Et à cette hauteur, il pouvait toujours trouver de la verdure, même pendant les pires moments de la saison sèche. Pendant la saison humide, il pouvait choisir les pousses les plus tendres. Et c'est comme ça que vivait un brontosaure, se nourrissant depuis le niveau du sol, en passant par le niveau intermédiaire jusqu'au sommet de chaque conifère, récoltant le feuillage d'une manière incroyablement efficace, jamais égalée, jamais surpassée. Lorsqu'on est éléphant ou brontosaure, on doit s'envoyer un fameux tas de végétation. C'est un travail très dur pour un appareil masticatoire. Qu'avons-nous ici?
Une belle rangée d'incisives, des dents qui mordent. Elles peuvent arracher les feuilles et les branches. C'est bien. Mais derrière, il nous faut des dents pour mâcher, des molaires. Paradoxalement, le brontosaure n'a pas de molaires. Il n'y a pas la moindre molaire chez quelque brontosaure que ce soit. C'est un problème intéressant. La solution se trouve 6 mètres plus bas. Bob Baker a une théorie personnelle. Elle implique la présence de tripes, pareilles à une chaudière, tripes qui, d'après lui, sont adaptées pour former un ingénieux système destiné à pulvériser la matière végétale. Nous voici dans les tripes du brontosaure, et c'est ici que nous trouvons la solution au mystère des molaires absentes. Voyez, juste ici, le centre des tripes serait un gésier de 200 kg, une partie musclée de l'estomac destinée à mâcher. Comment savons-nous que le brontosaure avait un gésier? Eh bien, les crocodiles sont des cousins primitifs du brontosaure, et les crocodiles avaient un gésier. Les oiseaux sont des cousins évolués des brontosaures, et les oiseaux ont un gésier. Et puis, pour terminer, il y a ces cailloux polis trouvés à l'intérieur de la cage thoracique fossile des brontosaures. Et il semble qu'ils avaient une fonction de molaire pour moudre la nourriture et la rendre digeste. Mais habituellement, les os de dinosaures se trouvent dans des endroits rocailleux. Comment prouver que cailloux et os sont liés? Par les ondes sonores. Nous voici dans la carrière où l'on dégage le squelette d'un des animaux les plus gargantuesques jamais découverts. Le docteur David Gillette et ses collègues utilisent le plus récent produit de l'équipement technologique en matière de chasse aux dinosaures, le canon sismique. Si la lumière crée des ombres, le son aussi. Grâce au micro souterrain, le bruit généré par le canon sismique dessine l'ombre des ossements de dinosaures. L'ordinateur analyse alors ces ombres afin de créer l'image de ce qui se cache sous terre. Le squelette découvert est étonnant. Le docteur Gillette et son équipe l'ont appelé séismosaure, celui qui fait trembler la terre. Avant la découverte du séismosaure, le plus grand squelette complet connu appartenait au Diplodocus. Le séismosaure est moitié plus long que le Diplodocus. Et pour le moment, nous estimons sa longueur à 50 mètres par rapport aux 30 mètres du Diplodocus. Le séismosaure devait probablement absorber près d'une tonne de végétation par jour. Cette équipe a des années et des mètres de dinosaures devant elle, mais le rapport qui existe entre les os et les cailloux appelés gastrolithes a déjà été établi. Nous avons trouvé près de 150 gastrolithes dans la partie avant du corps. Ils se sont tous répandus dans cette position à partir du jabot. Une partie des gastrolithes a jailli par ici et l'autre par là, là où travaille Wilson. C'est la première fois que les scientifiques voient une association aussi étroite entre les cailloux et les os des côtes. Nous croyons que le gastrolithe le plus grand, celui-ci, nous donne le diamètre minimum de la gorge. Nous avons donc une idée de la tuyauterie qui intervenait dans le système digestif. C'était intéressant, jusqu'à ce qu'on tombe sur un problème. Et le problème, c'était ce gastrolithe-ci, qui est 4 à 5 fois plus grand que le plus grand des autres gastrolithes de la série. Il est si grand que je crois qu'il est parfaitement possible que nous ayons là la raison de l'extinction d'un dinosaure, d'un individu en particulier, de ce séismosaure. Ce gastrolithe est si gros que lorsqu'il l'a avalé, il est resté coincé dans sa gorge et il en est mort étouffé. Quelle sorte de plante peut bien survivre aux attentions d'une pareille machine à brouter? Il faut que ce soit quelque chose qui se reproduise rapidement, avec un taux de survie élevé. Les fossiles prouvent que ces diverses plantes améliorées sont apparues au Crétacé, il y a près de 130 millions d'années. Des fleurs.
Ce que nous voyons là sur l'écran est l'une des fleurs parmi les plus anciennes découvertes entre les fossiles. Celle-ci en particulier est âgée de 95 millions d'années. Ce qui est fascinant à propos de cette fleur, c'est entre autres qu'elle est à ce point bien conservée que nous pouvons la comparer à un groupe moderne de plantes à fleurs. Il se fait qu'elle est étroitement apparentée au laurier, à la cannelle et à l'avocat. Le début du Crétacé voit le premier grand élan de l'évolution des fleurs. Elles en arrivent vite à dominer toutes les autres plantes. Y a-t-il un rapport entre cette dominance et l'ascension de nouvelles espèces de dinosaures ? Ces nouvelles espèces sont des brouteurs à ras du sol, capables de tondre des hectares, ne laissant derrière eux que la terre nue. Les plantes vont devoir pousser plus rapidement et se reproduire plus vite. Les fleurs sont particulièrement douées. Les scientifiques pensent que nous avons là un exemple de coévolution. Une espèce se répand, l'autre s'en nourrit et toutes deux prospèrent. À la fin du Jurassique, ces nouvelles créatures, avec leurs mufles larges ou leur bec aiguisé, idéales pour faucher les nouvelles plantes en fleurs, vont l'emporter sur des brouteurs de haute taille comme le brontosaure et le stégosaure. Armés de mâchoires en forme de pinces, ils sont les moissonneurs des plantes à croissance rapide du début du Crétacé. Et la plus réussie de ces créatures, peut-être même l'animal terrestre le plus réussi de tous les temps, c'est l'iguanodon. Nous voici à Bruxelles, à l'Institut Royal des Sciences Naturelles. Voici l'iguanodon. Il vivait en abondance au début du Crétacé. C'est clairement, dans toute l'histoire de notre Terre, un des plus nombreux de ceux qui vivaient à cette époque. Comme vous le voyez, il n'a pas vraiment été restauré comme il fallait. La colonne vertébrale devrait être plus horizontale, de façon à ce que l'animal soit, grâce à sa tête, un brouteur au ras du sol. Il aurait brouté les parties basses des arbres, les fougères, la végétation des sous-bois. Mais il s'en nourrissait d'une manière exceptionnelle. Il avait en fait développé une technique de traitement de la nourriture végétale qu'aucun autre reptile n'a jamais développée depuis. Il mâche. L'Institut Royal des Sciences Naturelles a restauré un groupe d'iguanodons tel qu'il a été trouvé au 19e siècle dans une mine de Belgique. Il n'y a pas de gastrolite. Ils traitent leur nourriture d'une autre manière, probablement comme nous. L'iguanodon pouvait-il mâcher et jusqu'à quel point? Voyons un peu ce que ce crâne nous apprend. À l'extrémité avant des mâchoires, on trouve un bec très aiguisé, au bord grossier, idéal pour couper les végétaux. Derrière, on a cette longue rangée de dents puissantes, avec des bords extrêmement usés, idéales pour réduire en miettes et écraser la nourriture qu'ils absorbent. Plus important sans doute, ces dents sont elles-mêmes plantées loin des côtés des mâchoires et laissent ce très large espace. Il était probablement recouvert de muscles, de chair, pour former une sorte de joue et empêcher la nourriture, une fois mastiquée, de tomber sur les côtés. Derrière les dents, vous avez cette grosse masse d'eau. Ici. C'était l'endroit où se rattachaient les grands muscles qui partaient des côtés de la tête, depuis ces espaces, jusqu'à la mâchoire inférieure, pour donner à ces animaux une puissante morsure. L'ingrédient vital qui manque aurait été la capacité d'écraser très efficacement la nourriture entre les dents. Pour cela, il faut être un mammifère qui est, comme nous, capable, grâce à des muscles spéciaux dans les mâchoires, de bouger la mâchoire inférieure d'un côté à l'autre pour mastiquer. Si vous regardez attentivement le côté du crâne, ici, on y trouve une rainure qui est une charnière qui parcourt le côté de la face, dépasse l'œil jusqu'au sommet de la tête, ici derrière. C'est ce qui permet à la zone de la joue dans le crâne, ici en haut, d'entrer et sortir lorsque la mâchoire inférieure montait et descendait quand l'animal mastiquait. C'est cette innovation vitale qui permet à ces dinosaures de mâcher
aussi efficacement leur nourriture végétale. Ce fut pendant le Crétacé un élément clé dans l'évolution de ce puissant groupe d'herbivores. Durant le Crétacé, il n'y aura pas que les dinosaures à développer des anatomies complexes et sophistiquées. Les ptérosaures, leurs contemporains aériens, le font aussi. Jeremy Raynor, de l'Université de Bristol en Angleterre, étudie le vol des ptérosaures. Comme ils ont disparu, il prend ses modèles ailleurs. L'un des problèmes pour l'étude des ptérosaures, c'est que nous ne les connaissons qu'à partir de leurs restes fossilisés. Il est difficile d'en déduire comment ils vivaient, ce qu'ils faisaient, comment ils volaient. Mais nous pouvons nous faire une assez bonne idée de la manière dont ils volaient, en regardant les oiseaux modernes et les chauves-souris. En étudiant les oiseaux, nous savons qu'il est très difficile de voler. Ce n'est possible que si on n'est ni trop grand ni trop petit. On doit pouvoir disposer d'une grande quantité d'énergie. On doit pouvoir bouger les ailes d'une façon parfaitement contrôlée. Quand on peut résoudre tous ces problèmes, on a toutes les qualités d'un animal qui vole. La structure du squelette des ptérosaures sous-entend un mécanisme ailé très semblable à celui d'un oiseau. Mais pour en être certain, Raynor a dû se pencher sur l'aérodynamique du vol des oiseaux. Comment les oiseaux s'y prennent-ils donc ? Battement d'aile par battement d'aile, il fait le relevé détaillé des subtils mouvements en tire-bouchon d'une mouette en plein vol. Un oiseau ou une chauve-souris qui vole se trouve face à un problème. Ils doivent pousser l'air vers l'arrière et en dessous. L'air doit passer derrière pour que l'animal soit poussé vers l'avant. L'air doit aller vers le bas pour supporter son poids. Voici le film au ralenti d'une mouette en plein vol. Dans la première partie de l'élan, celui dirigé vers le bas, les ailes sont totalement étalées, elles sont étendues en une surface plane et aérodynamique. Dans le mouvement vers le haut, les ailes changent légèrement de forme. Elles restent à plat, mais le poignet se courbe de sorte que le bout des ailes ne s'éloigne pas autant du corps que lors du mouvement vers le bas. L'animal peut ainsi soutenir son poids et continue à disposer d'une poussée vers l'avant. Ce qui est frappant en ce qui concerne l'aile d'un ptérosaure, c'est la présence d'une phalange qui s'étend jusqu'au bout de l'aile. Durant le vol, l'aile doit probablement changer de forme grâce à un coup sec du poignet. Nous voyons aussi des fibres enfoncées dans les ailes en de longues arêtes qui jouent le rôle de plumes et donnent à l'aile une structure aérodynamique. Il faut d'ailleurs qu'il en soit ainsi. Si le ptérosaure n'avait pas eu quelque chose de semblable, s'il n'avait eu qu'une membrane, une mince aile élastique, il n'aurait pas pu soutenir les forces aérodynamiques, il n'aurait pas pu voler. Pour Raynor, les ptérosaures sont de puissantes et efficaces machines à voler. En fait, au Crétacé, certains ptérosaures atteignent une taille équivalente à celle d'un chasseur-bombardier de la Deuxième Guerre mondiale. Les ptérosaures se font de plus en plus grands. Au sol, les dinosaures font des économies de volume. Ici, dans les collines du nord du Montana, Jack Horner étudie, avec l'aide de groupes de volontaires, les plus petites versions de ces créatures. C'est à l'âge de 7 ans que Horner découvre son premier os fossile, au Montana, dans le ranch de la famille. Depuis, il n'en démord plus. And did it live here? Yeah. Did it die here? No. How do you know? Because if it died here, then you'd see all the rest around it. That's right. So it had to come out. So it's been scattered around, right? Yeah. See? See, you know more than you think you do. Mais il n'y a pas que les professeurs et les étudiants qui trouvent des os. Marion Branvold vend des pierres à Binum. C'est la raison pour laquelle elle est ici. Elle prospecte, elle cherche des pierres, surtout celles avec des os fossilisés. Un jour du printemps 78, elle tombe sur quelque chose qu'elle n'a jamais vu.
J'avais commencé à descendre la colline et près d'ici, il y avait deux gros os. Je me suis dit que j'étais déjà passé par là, mais ça devait être faux. Alors je me suis un peu excitée. Il y avait ce drôle de petit endroit circulaire. C'est plus du tout pareil aujourd'hui. Ce n'est plus du tout la même chose. Au-dessus, il y avait tout un tas de petits os éparpillés. Et ces petits os-là étaient totalement différents de ce que j'avais vu dans la région. Ce même été 78, Jack Horner prend congé de l'université de Princeton pour aller à la chasse aux ossements avec un ami, Bob McKellar. Ils ont pris l'habitude de s'arrêter dans le magasin de pierre de Marion Brandvolt. Ils ont entendu dire qu'elle a besoin d'aide pour identifier des os fossilisés. On a jeté un œil, elle avait un tas de fossiles dont une bonne partie n'avait jamais été identifiée correctement. On les a donc identifiés pour elle et ça semblait vraiment lui faire plaisir. Ils m'ont demandé s'il y avait d'autres os et j'ai dit que je venais de trouver de petits os sur la colline. J'ai dit que je ne savais pas ce que c'était au juste. J'ai regardé et je suis sûr que j'ai eu l'air surpris. Je me suis tourné vers Bob et j'ai dit... Bob, tu sais ce que je crois? Et Bob a dit, oui, je sais ce que tu crois. J'étais très excité, Bob et moi étions très excités, mais on était dans un magasin, et dans les magasins, les objets, on les vend, ce qui fait qu'on essayait de contenir notre excitation. Et je me suis dit, il y a quelque chose là que je dois savoir. Et Bob a ramassé une petite mâchoire avec des dents, l'a regardé et est resté bouche bée. Il a dit, tu as raison, Jack, c'est un bébé dinosaure. Et moi j'ai dit, des bébés dinosaures? On était très excités. Douze ans plus tard, chaque mètre carré de ces collines est devenu l'objet d'une intense observation scientifique. Quand on est arrivé ici, il y avait une petite colline. Et c'est à la surface de cette colline que Marion avait ramassé les morceaux de quatre squelettes. Lorsque Bob et moi sommes arrivés, on a commencé à fouiller soigneusement la colline et on est tombé sur des centaines de petits os. Alors on a soigneusement préparé la fouille à partir du sommet de la colline. En creusant centimètre par centimètre, on a fini par trouver les restes de 15 bébés dinosaures. Et puis, après les avoir examinés et décidé qu'ils étaient de la même espèce, on est parvenu à la conclusion qu'on avait affaire à un nid de dinosaures. Les découvertes d'Horner ouvrent une fenêtre sur la vie quotidienne des dinosaures. Jusqu'alors, il n'y a rien qui permet de croire que les dinosaures diffèrent des tortues et des grenouilles qui pondent et puis abandonnent leurs œufs. Horner découvre que les dinosaures construisent des nids et qu'ils ont probablement un comportement social. Ici, on peut voir certains des nids de maillasaures. Il y en a un, le nid découvert en 78, là où se trouve la barre d'acier. Et puis à 10 mètres, il y a une petite colline où il y en a un autre. Et puis à 8 mètres à droite, par là, encore un autre. On en a découvert 7 de nids, ici et peut-être même un autre encore. Quand on a commencé à trouver ça, on a compris que, d'abord, les dinosaures semblaient nicher en colonies. Mais on a aussi compris que les nids étaient espacés de 8 à 10 mètres, la taille d'un maillasaure adulte. Il semble donc que les colonies étaient relativement denses. Tout à fait comme certaines colonies d'oiseaux où la distance d'un nid à l'autre équivaut à la longueur du corps de l'animal. Sur ce venteux promontoire du Montana, les tentes de Horner et son équipe s'étalent comme des nids géants de dinosaures. En rampant sur le sol, Horner peut découvrir ce que ces minuscules restes de coquilles et de bébés dinosaures racontent vraiment. Pour trouver ces bébés dinosaures et des coquilles et des trucs comme ça, il faut littéralement se baisser pour les voir, se rapprocher autant que faire se peut du sol.
Ce que nous avons ici, c'est un endroit où on a trouvé des embryons de dinosaures, avec les œufs qui leur correspondent, et ce que nous croyons être des poussins. On examine donc des dinosaures qui ont entre 30 et 40 cm de long, et leurs vertèbres ou leurs os de pied sont d'une taille quasi microscopique. Au musée des Rocheuses, les plus grands fragments d'eau en provenance du Montana sont préparés pour l'examen de Horner. Il s'agit des restes d'une colonie de dinosaures appartenant à une espèce qui, pour profiter de la végétation présente au ras du sol, a développé un bec large et plat, comme celui de nos canards. Ceci est le crâne d'un dinosaure adulte à bec de canard, le maillasaure. Et cet individu est, à notre avis, âgé de plus ou moins 4 ans ou 4 ans et demi. Et voici le crâne d'un individu qui doit avoir 3 semaines. Ceci est la preuve irréfutable que les dinosaures s'occupent de leurs petits. Ils construisent des nids. En rassemblant toutes ces recherches, Horner crée une image de ce qu'est la vie dans une pouponnière de dinosaures. Lorsque nous examinons certaines des preuves en provenance des zones de nidification, nous pouvons trouver des indices très intéressants concernant le comportement des dinosaures. En fait, ils ne pouvaient pas bouger beaucoup. Ils ne pouvaient certainement pas se lever pour courir partout. Il est possible qu'ils aient pu marcher un peu, probablement en titubant. Mais ils ne pouvaient quitter le nid pour se nourrir eux-mêmes. En rassemblant tout cela, on peut conclure que la maman dinosaure ou les parents dinosaures apportaient la nourriture à leurs petits. Et toutes ces preuves de soins et de nidification amènent Horner à appeler ces dinosaures les maillasaures, les lézards maternels. Les soins apportés à leurs petits, les nids intimement rapprochés les uns des autres, suggèrent un comportement social comme celui des oiseaux. Horner, qui a remarqué certaines similitudes étonnantes de comportement avec nos oiseaux, vient au Refuge national pour la vie sauvage du Montana pour en apprendre davantage. Les dinosaures, comme les oiseaux, construisent des nids pour protéger les œufs qui sont fragiles pendant l'incubation. D'autres études sur les habitudes de nidification de ces animaux amènent des points de vue intéressants. Il semblerait que les dinosaures réutilisent d'une année à l'autre les mêmes sites de nidification. Ces découvertes donnent l'image d'un animal très sociable, un reptile qui vit et voyage en groupe organisé. Il semble que les dinosaures enfonçaient en fait leurs œufs dans la couche sédimentaire. En observant les nids, on voit qu'il y avait au moins une dépression ovale là où ils se trouvaient, mais on ne sait pas s'il y avait un monticule. Et les œufs éclosaient dans cette couche? On pense qu'ils ont pu recouvrir les œufs de végétaux. En se décomposant, la végétation pouvait fournir la chaleur nécessaire à l'incubation. Ensuite, une fois la végétation partie, les bébés faisaient simplement sauter le sommet de la coquille et en sortaient. Horner croit que les poussins restent groupés dans la colonie, tout comme le font aujourd'hui certains de nos oiseaux qui nichent au sol, nourris et protégés par les animaux apparentés. Il semble donc que ces dinosaures vivaient probablement en petits groupes. Que les bébés étaient soignés par quelques adultes. Et il semble également que les adultes ont développé tout un système de défense. Les hadrosaures émettent probablement des sons pour menacer les prédateurs ou alerter leurs petits
et s'organisent probablement en groupe pour repousser ces carnivores que sont les théropodes. Pour autant que nous le sachions, les dinosaures vont atteindre leur apogée à la fin du Crétacé. C'est là que nous avons la plus grande diversité. C'est aussi à cette époque que nous avons certains dinosaures qui vivent en grandes colonies, qui nidifient et qui nourrissent leurs petits. Nous avons aussi de solides preuves qu'ils communiquaient entre eux. En plus de la nidification, nous avons la preuve qu'ils voyageaient en de gigantesques groupes, en formation si vous préférez. Des troupeaux de dinosaures, des vols de dinosaures, est-ce possible? La preuve existe ici, au parc provincial des dinosaures de l'Alberta, au Canada. Phil Curry, du musée royal Tyrrell de Drumheller, prospecte l'un des plus riches gisements de fossiles de dinosaures du monde. Les roches de la fin du Crétacé sont ici représentatives de 2 millions d'années de l'histoire des dinosaures. Plus de 300 squelettes ont été extraits et exposés dans les musées du monde entier. Dans ces rochers, Phil Curry a trouvé 35 espèces distinctes de dinosaures. Une histoire particulière se rattache à l'une d'entre elles. La carrière au milieu de la falaise la plus éloignée est le lieu de fouille d'une couche d'ossements que nous avons trouvée dans les années 70. La couche d'ossements s'était accumulée le long du lit d'une rivière. La rivière s'éloignait de nous vers le côté le plus distant de cette colline et la couche s'étend sur près de 100 mètres. Nous trouvons jusqu'à 60 os au mètre carré et nous estimons qu'il y en a de 20 à 30 000 dans l'ensemble de la couche. Ces ossements sont ceux de nombreux individus, ils sont tous mélangés. Nous avons, par exemple, des os d'animaux qui ne mesuraient qu'un mètre trente de long et des os de grands individus, d'animaux qui pouvaient atteindre 6 mètres de long. Presque tous ces os, 85 à 95% d'entre eux, représentent une seule espèce d'animal, de nombreux individus d'un même animal appelé Centrosaurus. Le Centrosaure est l'un des dinosaures cornus et vous êtes probablement plus familiarisé avec son proche parent, le Triceratops. Le Triceratops est un animal avec deux longues cornes au-dessus des yeux et une autre très courte sur le nez. Le Centrosaure a fait l'inverse. Il a deux courtes cornes au-dessus des yeux et une très longue au-dessus du nez. Les os sont relativement frais. Ils ne semblent pas avoir été longuement exposés avant d'avoir été enfouis. Ils ont tendance, par contre, à ne pas avoir d'extrémité. Cet os-ci est, par exemple, cassé d'une façon très particulière. La fracture fait une spirale à travers l'os, au lieu de passer tout droit à travers comme on peut s'y attendre. Ce qui indique qu'il était frais lorsqu'il s'est cassé. Avec tous ces indices, Curry imagine une histoire dramatique, un troupeau de 400 à 1000 centrosaures qui tentent de traverser une rivière en crue. Un troupeau de gnous qui essaie de faire la même chose démontre assez ce qui a pu arriver à nos centrosaures. As
En tant qu'individus, ils étaient probablement bons nageurs. Néanmoins, lorsqu'ils ont essayé de traverser en groupe, ils se sont mutuellement gênés. Beaucoup d'entre eux auront été poussés sous l'eau et une bonne partie se sera noyée. Ces animaux noyés auront descendu le courant, auront été déposés sur les bancs de sable ou dans ce cas-ci dans un bras mort. Lorsque les eaux de la crue se sont retirées, les carcasses ont été laissées au sec sur les rives. À ce moment, des dinosaures carnivores, grands et petits, sont arrivés pour s'être curés. Phil Curry dépeint un incroyable tableau, des troupeaux géants de centrosaures parcourant le pays. Mais tous les scientifiques n'ont pas la chance de trouver un troupeau entier à l'état de fossile. Nous savons pourtant que le centrosaure n'est pas le seul à vivre en troupeau. Son plus célèbre cousin fait probablement la même chose. Si nous rencontrions un tricératops vivant, nous verrions un grand animal, peut-être de la taille d'un grand bison mâle ou d'un grand rhinocéros. Il se déplacerait sur ses quatre pattes et aurait une queue relativement courte. Et nous verrions les trois cornes, deux au-dessus des yeux et une au-dessus du nez. Le tricératops était l'un des derniers dinosaures de l'ère des dinosaures. C'était aussi le plus grand de la famille. Si vous aviez vécu à cette époque, vous auriez vu des troupeaux de tricératops parcourant le pays. Et aussi, mais plus rarement, des créatures comme le tyrannosaure et plus fréquemment des dinosaures à bec de canard. Pendant les 10 derniers millions d'années du Crétacé, des dinosaures comme le tyrannosaure et le tricératops sont parmi les 112 groupes de dinosaures en plein essor. Ils occupent la planète entière. Des colonies d'hadrosaures et de maillasaures construisent leurs nids, s'occupent de leurs petits. Les océans sont habités par de gracieux dragons semblables à des dauphins, les mosasaures, les ichthyosaures, les plésiosaures. Dans le ciel, des ptérosaures et de petites créatures emplumées glissent dans les airs. Et partout sur la Terre, abondent des plantes en pleine floraison. Les plaines sont envahies de grands troupeaux de cératopsiens à la recherche de nourriture. Pendant ce temps, toujours sur la brèche, le tyrannosaure rôde un peu partout. Et puis soudain, en un instant, géologiquement parlant bien sûr, la planète tout entière se transforme en un immense cimetière pour ces créatures apparemment indestructibles. Durant 160 millions d'années, les dinosaures ont été les animaux terrestres les plus réussis qui aient jamais existé. Leur disparition, il y a 65 millions d'années, est l'un des grands mystères scientifiques. Mais que s'est-il donc passé? Un changement du climat terrestre? Une maladie? Une activité volcanique qui s'est intensifiée? Ou autre chose? Une des dernières théories et l'une des plus controversées, implique des météorites. Un réchauffement global. Si c'est vrai, cela va changer du tout au tout notre théorie sur la manière dont nous en sommes venus à dominer la planète.